Michel Jury est un écrivain français de science-fiction, mais aussi de littérature dite de terroir. Il est né à Razac-d'Eymé, en Dordogne, et a grandi dans les environs du canton d'Eymé avant de se rapprocher progressivement du canton d'Issijac. Ses premiers romans sont publiés entre 1958 et 1960. Il s'installe à Issijac en 1974 et y reste jusqu'en 1987. À Issijac, Michel Jury vit une période euphorique dans un village utopique et il aime marcher quotidiennement sur ce qu'il appelle ses routes magiques. 40 ans après la parution du Temps incertain, la municipalité d'Issijac décide de lui rendre hommage en organisant une exposition Michel Jury entre futurs et terroirs. Nous sommes à Saint-Christol-les-Alès, dans la maison de Michel Jury, écrivain de science-fiction et de terroir, avec une longue et fructueuse carrière. Et Michel, si vous le voulez bien, je vais vous poser quelques questions sur votre œuvre et peut-être un peu sur votre vie. Alors, première question, selon vous, en 50 ans de carrière, quelles sont les œuvres que vous retiendriez dans votre bibliographie? Ouais, alors, mais d'abord, je retiens tout. Et puis, bon, ma carrière a été effectivement longue, c'est-à-dire que j'ai eu une grosse déception quand j'étais jeune et que j'avais quelques amis, artistes et écrivains aussi. On avait tous décidé qu'on mourrait jeune. Alors là, c'est raté. Donc ma carrière, effectivement, a été longue. Ma vie approche de 80 ans, ma carrière dépasse un peu les 50 ans. C'est vraiment une grosse... C'est tellement beau de mourir jeune. Si on savait tout ce qu'on sépare. Bon, c'est raté, n'en parlons plus. Alors, bon, puisque vous me demandez de choisir des œuvres, bon, qui sortent toujours un peu au hasard, alors, je choisirais dans le terroir ce qui concerne la Dordogne, et puis les livres qui m'ont lancé, et en science-fiction, celui qui vient couronner cette longue et infructueuse carrière, mais le monde, mon tout dernier, dont l'héroïne est une petite fille. J'aime bien les bouquins, l'histoire d'enfants. Et puis, disons, le soir du vent fou, qui est censé se passer dans les environs d'Issijac. J'ai brouillé un peu les pistes, mais c'est bien ça, c'est bien la région d'Issijac. Et dont les vrais héros sont les enfants de l'école. Et là, je suis à mon aise avec les enfants. Enfin, les enfants d'autrefois, parce que les enfants d'aujourd'hui, je les ai un peu perdus de vue. Bon, qu'est-ce qui ressort de tout ce bafouillage? Eh bien, qu'on pourrait peut-être retenir trois bouquins. Le Soir du Vent Fou, qui est une espèce d'autobiographie de mes débuts d'instituteur. Non, parce que le personnage de Vincent Lerouge, C'est moi, c'est un bien petit sûr. peu vous. Oui, mais tous mes personnages sont moi. Et en particulier, Alexandrine dans la Vallée de la Soie, Angéline d'Angéline, Céline ma nounou. Alors là, tout le monde m'a reconnu dans Céline. Mais au début, j'étais je serrais bêtement l'autobiographie de près, si bien que le héros est un homme qui me ressemble beaucoup, qui s'appelle Vincent Lerouge. Et puis, entre ces deux bouquins, comme j'ai écrit beaucoup de nouvelles, qui sont d'ailleurs toutes en ligne, plus ou moins, on pourrait prendre peut-être le recueil de nouvelles La Vallée du Temps Profond, parce que j'aime bien le titre, et parce que la nouvelle qui donne son titre au recueil est vraiment une de mes préférées, et c'est le texte qui fait la charnière entre la science-fiction et le terroir. Comment devient-on écrivain? Un écrivain science-fiction, un écrivain de terroir, dans le sens où finalement, il n'y a pas de prédestination, bien évidemment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir écrivain? Est-ce que c'était un désir profond, ou est-ce que finalement ce sont les circonstances qui vous ont poussé à devenir écrivain? Vous savez, comme toutes les bonnes questions, elle contient la réponse. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Il y a tout ça, bien sûr. Mais je voudrais citer une célèbre anecdote américaine.
Un jour, dans je ne sais quel festival ou fête ou rencontre aux États-Unis, une jeune auteure, enfin une jeune dame qui souhaite devenir auteure, interpelle un très grand écrivain américain. Tous les écrivains américains d'ailleurs sont grands, d'autant qu'ils ont un grand public, et lui dit: Maître, comment devient-on écrivain? Et lui a fait une réponse très simple qui est absolument indépassable et immortelle. Et il lui dit, en anglais naturellement: Sit down and write. Vous savez, une vie d'écrivain, c'est comme une vie de tout le monde. Qu'est-ce qu'une vie ? C'est une énorme collection d'anecdotes. Et ma vie est pleine d'anecdotes, si bien qu'il faudrait les aligner, les enfiler comme des perles, là, et on reconstituerait tout. Alors Michel, une grande question. Comment détermineriez-vous votre position dans le paysage littéraire français ? C'est-à-dire quelle place ou quelle comment vous vous voyez dans ce paysage actuel ? Toutes vos questions sont grandes. Et je suis très impressionné. Alors, mais celle-ci, moi, je la transpose un petit peu parce que je me sens assez proche en astrophysique, en cosmologie, de la théorie des cordes. Et le mot paysage, pour moi, évoque tout de suite le multivers, les vallées du paysage cosmique. Et ma place dans le paysage, alors je sais, peut-être une petite place au fond d'une vallée perdue. Et puis, dans ce paysage cosmique, je parle toujours de la théorie des cordes, hein, de supercordes, dit-on maintenant. Il y a des dimensions repliées, et il y a des petits espaces qu'on reconnaît souvent sous le terme général et faux de quatrième dimension, parce qu'en fait il y a 11 dimensions, et ce sont les espaces de Calabio. Alors ce sont des minuscules dimensions qu'on ne sait pas trop comment elles fonctionnent, et moi, je me vois dans un espace de Calabio, là, bien caché, dans le paysage cosmique, et même chose dans le paysage littéraire. Je suis tout au fond d'une dimension obscure, d'une vallée perdue, et voilà, je suis l'homme des vallées perdues. Mais pas si obscure que ça, quand même, votre vallée, Michel, parce que vous avez reçu de nombreux prix littéraires. Alors, bien sûr... Wow. Valeur à revoir, mais c'est quand même une reconnaissance d'un certain milieu littéraire, des professionnels de la littérature, du public aussi. Donc c'est une vallée, pour reprendre votre métaphore, c'est peut-être une vallée repliée, cachée, mais enfin qui se déploie quand même dans des univers relativement connus. Alors, autre question qui recoupe un petit peu la première. Quelles furent les influences majeures de votre écriture ? Alors, j'ai une idée précise, mais je sais qu'elle n'est pas, peut-être, elle est peut-être un petit peu restreinte ou restrictive. Je pense par exemple au nouveau roman, peut-être, dans le temps incertain. Mais je sais que la réponse n'est pas aussi simple que cela. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des auteurs qui vous ont influencé, des styles d'écriture qui vous ont influencé ? Alors, aussi bien d'ailleurs pour la science-fiction que pour le terroir. Oui, bien sûr. Mais plutôt que des auteurs, je dirais des livres, au cas par cas. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La vie, c'est une suite d'anecdotes, donc ce sont des circonstances, des événements qui m'ont influencé plus que des gens. Cela dit, en science-fiction, des œuvres m'ont influencé. Le Roi des Étoiles, j'ai dû lire quand il a paru, je devais avoir un peu moins de 20 ans. Ça m'avait ébloui. Un qui m'a bouleversé, qui me bouleverse toujours,
C'est Demain les chiens de Clifford Decimac. Bien sûr. Et je viens de... On me réédite actuellement un de mes anciens romans qui était un peu à la gloire de Simac et que j'ai complètement transformé pour vraiment célébrer Clifford Decimac et ses fameux chiens, les chiens de Simac. Et donc, celui-là, oui, m'a sans doute influencé. Plus tard, il y a Ubik. Est-ce que j'ai été influencé par Dick? Oui, sans doute, mais surtout par un ou deux romans, alors que dans l'ensemble, pas forcément. Mais je dois reconnaître une chose, c'est que le monde devient de plus en plus dickien, et le fait de dire le monde est dickien, c'est une espèce de mot de passe. Quand vous dites dans une assistance non-SF, si vous êtes dans une assistance SF, un festival, une convention, un colloque, n'importe quoi, vous dites le monde est dickien, alors il y a ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord, mais tout le monde comprend. Quand vous êtes hors de la science-fiction, c'est plus étonnant. Il y a quand même des gens qui comprennent et dont vous sentez tout de suite qu'il y a une parenté avec vous. Donc j'ai été influencé par le monde dickien, oui, certain, mais bien avant, les influences qui marquent, sans doute, ce sont celles de l'enfance. Donc je dirais qu'il y a une bande dessinée qui m'a influencé autant que n'importe quel roman, c'est une bande dessinée de Cocardi, c'est Guerre à la Terre, de Marie-Jacques Ilicois, qui a influencé aussi André Bon, qui s'est occupé de la faire rééditer. Le premier roman que j'ai lu, j'avais 9 ans, c'était le premier roman entier que j'ai lu, c'était un roman de science-fiction, c'était La fin d'Ida de José Mazzelli, et il m'a influencé dans la mesure où il m'a donné envie d'écrire sur des mondes extraordinaires. Alors, en fait, pour décrire les influences que j'ai reçues, que j'ai subies, ou que j'ai acceptées, ou que j'ai voulu, il faudrait non pas citer une suite de bouquins, mais raconter une suite d'anecdotes. Alors là, on en aurait pour 3 jours, parce qu'il faudrait que je raconte toutes les articulations de ma vie, les rencontres, et dire que par exemple, l'auteur qui a joué un très grand rôle de ma vie ne m'a pas du tout influencé au point de vue littéraire, ce qui fait, moi je ne l'ai aimé que l'espace de ma classe de 3e, il se trouve que c'était un ami de mon père, c'était Marcel Granchy, écrivain complètement oublié, mais qui m'a encouragé, qui m'a patronné, qui était... Et puis, aussi, qui m'avait donné une image de l'écrivain dont j'ai difficilement pu me débarrasser. L'écrivain qui pond des bouquins... Il faut dire que Marcel Granchy a eu... S'il ne m'a pas vraiment parrainé, il a parrainé un autre qui lui a beaucoup mieux réussi. Il est en quelque sorte le père de parrain, le père même littéraire de Frédéric Dard, alias San Antonio. Il m'a lancé sur les rails de la vie, d'une vie littéraire, et ça a été formidable. Le charcutier de Machovine n'était pas un rigolo. Oui, et je remarque que vous avez utilisé plusieurs fois le mot « destin ». Et que, vous voyez, on avait parlé, pour en revenir à la question précédente, comment devient-on écrivain? Ben là, peut-être, il y avait un signe du destin cette personne. Le destin, c'est un des grands thèmes que je regrette de n'avoir pas vraiment exploité. Ou du moins creusé. Mais c'est comme ça. Vous l'avez peut-être creusé indirectement avec la thématique du temps. Je sens une frustration quand même, là, aussi bien en science-fiction qu'en littérature générale. Je ne sais toujours pas ce que c'est que le destin, et je ne l'ai toujours
je me suis pas vraiment colleté avec cette idée, ce mystère. Pourtant, c'est une idée qui affleure dans vos œuvres. Mais elle ne fait qu'affleurer, voilà. Elle est présente quand même, hein, en arrière-plan. Peut-être. À travers justement ces différentes existences, ces différents plans temporels dans la science-fiction. Je pense au temps incertain. Et puis, je pense aussi à un roman de terroir, par exemple dans La Grâce et le Venin, sur lequel nous reviendrons peut-être, où justement, le personnage parle souvent de destin et de prédestination par rapport à son don, etc. Il cause, oui, c'est ça. Voilà, mais ça affleure. Bien, Michel, nous allons passer à la question suivante. Alors, une question un petit peu plus précise. Comment définiriez-vous votre style dans vos romans? Alors, peut-être envisager la question sous deux angles. Dans les romans de science-fiction, et je pense par exemple à deux romans qui, à mon avis, sont représentatifs et sont importants pour vous. Le Temps incertain en 1973 et Mais le monde en 2010. Donc, oui. Voilà. Alors, ce style, justement, dans les romans de science-fiction, est-ce qu'on pourrait le qualifier, par exemple, de déconstruit? Moi, je crois que vous êtes quand même un écrivain exigeant, exigeant avec vous-même, mais aussi exigeant avec les lecteurs. Voilà. Encore une fois, bien entendu, c'était une grande question. Mais je n'ai que des grandes questions. Qui comprenait sa réponse. Oui. La science-fiction est pour moi multiple. Il y a toutes sortes de science-fiction. C'est vrai que dans ces deux romans, non, il n'y a pas de déconstruction. Au contraire, c'est une construction. Mais le monde, en particulier, ne déconstruit que pour reconstruire. Et donc, j'ai essayé une fois de plus la construction d'un univers, d'un paysage cosmique. Bon, l'influence qui n'apparaît peut-être pas évidente dans Mais le monde, mais qui est très forte, c'est celle de la théorie des corps, du paysage cosmique, des astrophysiciens américains actuels, et c'est la physique quantique. Mais j'ai essayé de construire un monde, sinon parallèle, du moins adjacent, et de reconstruire un langage. C'est la première fois que je m'attaque vraiment à une construction d'un langage, ce qui n'est pas courant dans la science-fiction. Bon, il y a des gens comme Burgess qui l'ont fait beaucoup, mais ce n'est pas vraiment dans la science-fiction. Et dans la science-fiction française, il y a évidemment Daniel Drod, avec Surface de la planète. Pour Burgess, vous pensez à Orange Mécanique, oui. Au roman Orange Mécanique. Oui, oui. Et là, j'ai essayé donc de, je dirais, constructif et imaginatif. Imaginatif dans la construction et constructif dans l'imagination. C'est une bonne formule. Et pour la littérature générale, terroir ou autobiographie ou roman historique. Beaucoup de mes romans sont un mélange des deux, des trois. Comme toujours, ce sont les circonstances qui commandent. Et j'ai débuté une carrière avec la trilogie du vrai bout de la vie, le dernier vol et le sort du repos, alors que j'étais essentiellement connu comme auteur de science-fiction. D'ailleurs, quand Le vrai goût de la vie ont paru, il n'y a pas plus terre à terre que ce putain de petit roman. Eh bien, la moitié des libraires l'ont mis au rayon science-fiction. Hein, geste mécanique. Et ce que je voulais surtout éviter, c'était un mélange des genres. C'était le risque que je courais. J'ai donc choisi le réalisme terre à terre à tous les sens du mot, en choisissant la terre et en choisissant le terre à terre, et la rigueur, l'exactitude
l'extrême rigueur dans la documentation historique, l'extrême rigueur dans les vocations, avec quand même bien sûr une part d'imagination, c'est certain, mais l'extrême rigueur dans les vocations de la vie paysanne, par exemple, dans les vocations d'enfance, dans les vocations de la période. Mes 10, beaucoup de choses tournent autour de l'époque de mes 10 ans, le 44, 45, et cette époque-là. Donc là, pour moi, la rigueur. Une espèce de la rigueur et l'austérité, tiens, ça me rappelle quelque chose, on en parle beaucoup en ce moment, pour d'autres autres raisons. Ça va effectivement ensemble. Et là, je fais des efforts considérables. Considérables, non, des efforts quasiment inconsidérés pour être exact. Et je continue. Donc, mon dernier roman paru, qui est un roman de terroir de la Dordogne, qui est la matérielle château, j'ai évoqué quelques gestes encore de la vie agricole d'autrefois, et j'ai retravaillé avec beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts pour décrire exactement comment labourer, comment nous, les pauvres petits paysans qui n'avaient même pas de Brabant, ou qui avaient, enfin s'ils avaient un Brabant, c'était un vieux Brabant, le tourne-oreille du 19e siècle, ou la charrue ordinaire, et puis qui semait le blé avec, qui avait un sac. Un sac sur le ventre pour tenir le grain, etc. J'ai voulu évoquer ça avec une grande précision parce que je me veux en quelque sorte mémorialiste de cette vie des petits paysans, de l'époque d'avant la mécanisation ou du tout début de la mécanisation que je dois reconnaître. Igor et Grishka Bogdanov, dans La mémoire double, évoquent admirablement sans doute encore bien mieux que moi. Je reviens justement à vos deux inspirations. Vous m'aviez dit lors d'un entretien que vous aviez la tête dans les rêves et les pieds sur la terre. Alors il me semble que ces deux inspirations dans votre œuvre sont, bon, évidemment sont liées, on a bien compris, dès votre enfance. Mais pourtant, certaines périodes de votre vie semblent plus propices à l'écriture de romans de science-fiction et d'autres à l'écriture de vos romans terriens. Vous avez dit que c'était donc les circonstances. Mais moi, finalement, j'avais envie de vous poser la question, quelles furent vos ambitions littéraires ? Dire, on dit comment devient-on écrivain et finalement pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ? Ah, le but bon, écoutez, derrière tout cela. Je ne veux pas jouer au grand écrivain. Il n'y a rien qui m'ennuie plus que ça. Je ne le suis pas et je n'ai pas envie de l'être. Alors, je vais écraser votre question complètement. Écraser. Ma première ambition a été de gagner ma vie avec ma plume, comme on disait à l'époque, et c'était effectivement une plume, un crayon, après ça a été une machine à écrire, puis après c'était un ordinateur. Et puis après, quand j'ai vu, à un moment, je n'y arrivais pas du tout, je suis resté des années à traîner sans arriver à gagner presque un sou. Puis après j'ai gagné un peu d'argent, alors là, c'était... ça marchait. Et alors là, mon ambition a été de gagner bien des sous. Et de m'acheter un de ces châteaux dont j'étais le gardien à une époque. Oui, bah d'accord, je caricature. Mais bon. Vous savez. La vie. La vie, c'est de la gagner. Et puis de la perdre. De la gaspiller. De l'abandonner. Toutes sortes de pantalons que l'on fait, qui nous sont imposés. Et la gloire, ce sont des la gloire, la notoriété, le succès, ce sont des formes proluches qu'on y accroche, qui servent le jour de l'enterrement, qui servent par exemple à avoir un nom de rue, je ne sais pas, moi, des choses comme ça. Oui, mais là, vous remarquez quand même que la rue vous a été finalement attribué
De votre vivant. Donc oui, je précise. C'est très drôle. C'est quand même particulier. Donc ça, on sent très bien que l'incertitude, ça, il faut faire vite pour que ce pauvre diable en profite. Ah, je crois pas. Je crois que c'était vraiment. Non, mais les gens du Chirac sont les gens les plus gentils de la Terre. Moi, j'aime bien les périgordages. Chirac, en plus, ils sont plus gentils qu'à aimer. C'est plus gentil qu'à Sarlat. Il y a une espèce de gentillesse. Ce qui fait qu'au fond, je suis très loin de la question. Je ne sais plus quelle est la question. Non, mais c'est pas grave. Je suis de retour à Ici-Jacques, c'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Voilà. Combien de temps j'ai passé à Ici-Jacques? Une douzaine d'années. Hein. Ça a été une oasis dans ma vie. Ça a été tout à fait extraordinaire. Si bien d'ailleurs que. En fait, j'avais perdu de vue la dureté de la vie. Ah ben j'ai compris après, quand je me suis lancé dans la littérature générale, que j'ai affronté la vie littéraire, vraiment. Il n'y avait plus Sivak pour me protéger en plus. Ah là là. Et cette espèce de gentillesse, de bonheur de vivre que j'ai trouvé à Ici-Jacques a aussi marqué ma vie et mon œuvre de l'époque. Cette générosité des gens du Ici-Jacques, qui vraiment est la marque de ce village, a entraîné chez moi une certaine générosité vis-à-vis des jeunes écrivains qui arrivaient à Ici-Jacques en foule parce que d'abord, je traduisais pour eux la gentillesse d'Ici-Jacques, puis ils se sont rendus compte, plus ou moins, ça se sent, que c'était un endroit extraordinaire, peut-être unique. Alors, il n'est peut-être pas quand même tout à fait unique dans le monde, mais enfin, c'est un de ces endroits, il y en a comme ça, quelques villages, quelques villes peut-être. Je doute, j'ai un petit doute pour les villes. Les villages, il y en a sans doute d'autres. Moi, j'ai rencontré le mien, et donc Ici-Jacques. Je dirais qu'il y a eu un homme Granchet et un village Ici-Jacques qui ont beaucoup influé ma vie, beaucoup plus finalement que les auteurs. Est-ce qu'on pourrait parler finalement d'Ici-Jacques? Alors c'est un lieu qui existe, mais est-ce qu'on pourrait parler d'utopie finalement, une sorte d'utopie de Michel Jury, ce village? Écoutez, dans les années 70, Ici-Jacques était une véritable utopie. Et il y avait. Bon, j'ai toujours eu des amis écrivains, enfin toujours depuis cette époque-là, mais je n'ai plus eu des amis dans le village comme j'avais à Ici-Jacques. Mais cette époque m'a marqué et. Elle a marqué aussi certaines de mes œuvres, surtout des nouvelles. Il est certain que si je n'avais pas passé 10 ans, ou un peu plus de 10 ans à Ici-Jacques, ou à environ, je serais un autre. Je serais peut-être plus riche, mais je serais moins gentil. Nous allons revenir au temps, parce que moi j'avais une question à vous poser qui va faire le lien en fait entre ce que nous avons dit un petit peu sur l'esthétique littéraire et votre vie. Dans Le Temps est certain en 1973, le personnage subit des ruptures temporelles. Et notamment le fait que lorsqu'il change finalement de dimension temporelle, il n'arrive jamais complètement à terminer le projet qu'il était en train finalement d'élaborer ou de faire. Et alors moi je me demandais si ces ruptures donc métaphoriques, hein, temporelles du temps incertain en 1973, est-ce qu'elles ne correspondent finalement pas aux ruptures de votre mode de vie de l'époque ou de votre vie en général? Finalement, est-ce que l'esthétique littéraire chez Michel Jury, et notamment l'esthétique par rapport à la science-fiction et au temps, est-ce que ce n'est pas un principe de votre vie? Vous voyez, ces espèces de ruptures, de coupures. Bien sûr, je voudrais répondre non et non et non. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Mais je ne répondrai pas oui, oui, oui.
Sans doute. Sans doute, personne n'est exempt de reporter dans sa vie, dans son œuvre, les accidents de sa vie. Mais je ne sais pas si c'est vrai, que les incidents, les coupures de temps, tous les événements temporels qu'il y a dans ses romans, en particulier dans Le Temps incertain et dans Les singes du temps, beaucoup moins dans les autres, sont liés à la chronolyse, qui est une vision quantique, une vision quantique de l'univers, de la littérature et de tout ce que vous voudrez. Une vision quantique est une vision de rupture. Le quantum est une quantité séparée. Et donc, mes héros vivent, c'est ce que du moins je voulais, vivaient dans un univers, non pas ondulatoire, mais quantique, c'est-à-dire tantôt ondulatoire et tantôt particulière. D'où cette atomisation. Alors ça, c'est l'idéal, c'est le reste, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais bon, effectivement, un psy peut me répondre que tout ça, c'est une image de ma vie. Alors faisons un pacte. D'abord, on leur dit rien aux gens et aux auteurs et aux spectateurs, et on leur dit rien. On garde ça pour nous, c'est un secret entre nous. Et puis, on va faire comme si j'avais créé un univers tiré de mon imagination, de ma pensée, de ma théorie. Oui, mais vous Il y n'aimez a pas une beaucoup la théorie, je la crois, hein. théorie, j'aime que les théories que j'ai inventées, et il y en a une qui court dans mon œuvre, qui apparaît de temps en temps, c'est la théorie de la variation des probabilités, qui se veut comment dirais-je, qui se veut l'aboutissement de la mécanique quantique. Alors, nous disons que nous sommes dans la variation des probabilités, et que cette saloperie m'est tombée sur la figure dans ma vie. Alors, nous allons passer maintenant à des choses beaucoup plus concrètes, finalement, par rapport au sujet et par rapport au personnage. Alors, moi, bon, on va voir, hein, on va dérouler trois petites questions. Une première question, mais je ne sais pas si elle est très simple, mais comment choisissez-vous vos sujets? Et là, peut-être, je pense notamment à la littérature de terroir. Ils me choisissent, bien sûr. Tous mes sujets m'ont choisi. Bon, on va prendre deux exemples très simples. Je vais démarrer par quelque chose qui est devenu la trilogie du vrai goût de la vie et que j'ai eu à rééditer sous un titre qui est ce qui est Les promesses de la Terre. Puisqu'il y a eu une réédition de la trilogie Angelus. En demi-poche, qui est très belle, qui est un assez bon succès. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai décidé de passer à la tête de. Ce passage a été extrêmement angoissant. Je pourrais aussi citer un soir où j'étais. Ça se passait à Falguéra, qui est une ancienne commune dans ses plaisances, une commune du canton d'Issijac. Ça se passait à Falguéra. Et il y avait un de mes vieux amis, qui est parisien d'ailleurs, qui est photographe à Paris, mais qui a toujours sa maison. Elle dira qu'il nous avait invités, il y avait des gens. Là. Et moi j'étais en train de souffrir sur ce roman. Et Pochemort, mon futur directeur littéraire, m'a dit non, ça va pas. J'ai vécu là une soirée, c'était, j'avais reçu la lettre, ça devait être, c'était un courrier. Hein. Dans la journée, ça devait être, ou la veille, ça devait être samedi soir. J'ai vécu là, c'était une angoisse extraordinaire. Et j'étais en train d'essayer de voir ce que je pouvais faire pour réussir mieux ce passage, puisque le premier essai ne plaisait pas à Pochemort, créateur de l'école de Brive, directeur littéraire extrêmement expérimenté. Et c'est là que j'ai dit, je crois, il faut que je reste. Plus près de l'autobiographie, je rentre à fond dans l'autobiographie. Voilà comment le sujet, je pense que c'était déjà autour de moi, mais là c'est devenu carrément moi, mon enfance.
Voilà comment a été choisi le sujet de, du vrai goût de la vie, qui s'appelait encore à l'époque Rouge le soir. Quand je suis arrivé en Cévennes, avant d'émigrer en Cévennes, quand je suis venu, Nicole ayant sa famille en Cévennes, je suis bien avant d'émigrer, je suis venu en Cévennes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'avais traversé les Cévennes, je ne connaissais pas du tout. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois des arbres là, pardon. Je vois des arbres qui m'évoquaient passablement les saules nombreux en Périgord. Les saules, il y en a à l'époque, autrefois, à mon époque, en mon jeune temps, il y avait des saules partout. Ces arbres, ces têtards là, c'est un arbre têtard de saules. Des arbres qui ressemblaient aux saules, je me souviens que ce n'était pas des saules quand même. Qu'est-ce que c'est ces arbres? C'était en hiver, hein. Donc ils n'avaient pas leurs feuilles, je les reconnais pas bien. Enfin. C'est des... Non, le nom me manque. C'est des mûriers. Des mûriers. Pour le verre à soie. Ah oui, bien sûr. Bon. Ah, des mûriers. Le verre à soie. Ah oui. Il y a des mûriers partout. Alors qu'il n'y a plus de verre à soie depuis longtemps. Mais les mûriers sont restés. Puis je vois les masses, ces masses cévenoles là, très haut, très très haut. Je dis, en fait, bon Dieu, pourquoi c'est des fermes, c'est des plus humains que des fermes. Mm-hmm. Hein. Mais pourquoi sont-elles si hautes? Tu n'as pas compris. Il faut dire, en haut, c'est une magnanerie. On a rajouté des magnaneries quand le verre à soie a commencé à se développer à la fin du 18e, au début du 19e. On a rajouté un étage, quelques fois deux, pour faire des magnaneries, pour le verre à soie. Toutes les fermes sont devenues, toutes les masses sont devenues des magnaneries. Ah oui, bien sûr, des magnaneries, verre à soie. Et puis je voyais, dans la vallée alors, je voyais des grandes, je voyais bien des grands bâtiments, dont je voyais que c'était l'ancienne usine, avec ces ouvertures extrêmement typiques, ces larges fenêtres en demi-cintre. Je dis, mais pourquoi ces larges ouvertures en demi-cintre? Je ne sais pas si je connaissais le mot demi-cintre ou pas. Ces grandes ouvertures, pourquoi? Ces filatures. Pourquoi il y a ces grandes ouvertures? Parce qu'il fallait de la lumière. Il fallait travailler 12 heures par jour. Même en hiver, il fallait récupérer le maximum de lumière. Filature, verre à soie, je me dis, bon, son verre à soie est partout dans ce putain de pays. Et je me suis dit, ben écoute, il faudra que tu fasses un bouquin sur la soie, le verre à soie, c'est évident, c'est même totalement évident. Et je l'ai préparé, il m'a fallu quand même une grosse dizaine d'années pour préparer ça. Parce que vous êtes beaucoup documenté pour ce roman. Vous avez même rajouté une bibliographie. Oui, et puis surtout, il a fallu interroger les gens, les survivants. Là, vous avez fait un travail à la Zola avec carnet de travail pendant une dizaine d'années. J'ai fait un travail monstrueux. Mon meilleur ami de l'époque, qui était mon camarade de marche, qui était aussi psychanalyste et chef du service psychopédiatrique à l'hôpital de l'Est, m'avait dit, eh ben, celui-là, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, tu veux t'en faire. Et les sujets que l'on choisit sont toujours moins bons que les sujets qui vous choisissent. Ah, ça c'est une bonne réflexion. Je crois que ça pourrait s'appliquer à de nombreux auteurs. Alors il y a toujours des exceptions, bien sûr. Oui. Alors il y a un sujet qui m'a choisi, c'est un roman qui, je ne sais pas si on peut en parler, je crois que vous vouliez me poser une question sur La Grâce et le Venin. Oui, mais on peut en parler maintenant, parce que j'ai trouvé que dans l'ensemble de vos romans de littérature générale ou de terroir, pour moi il y en a un quand même qui sort du lot, c'est La Grâce et le Venin, qui est l'histoire donc de cette guérisseuse qui va essayer de transmettre un don et qui va avoir une vie quand même, qui elle-même a reçu ce don et qui va transmettre ce don. C'est pour ça que c'est un des romans qui, à mon avis, parle aussi du destin. Alors, revenons donc ce sujet. Alors, ce sujet. Sur La Grâce et le Venin. J'avais, à un moment, j'hésitais entre plusieurs sujets. C'était, je
Après le sort du grand fou, je ne sais pas très bien où j'étais. J'avais plusieurs romans. J'avais choisi de raconter un roman de terroir. J'avais fait un synopsis. Ça me réussit rarement bien, les synopsis. J'avais choisi un roman où apparaissait une guérisseuse, comme il en apparaît aussi dans d'autres de mes romans, et notamment dans la Métairie Château, parce que ce sont des personnages que j'ai bien connus. Et ce roman était en panne. C'était un roman écrit à la troisième personne, ce roman était en panne, et il est resté en panne un certain temps, si bien que j'ai fait autre chose, mais je ne sais plus très bien quoi. Là, je n'arrive plus très bien à situer la succession de ces romans au début des années 90. Et j'en fais un autre, je ne sais plus lequel, qui marche, je ne sais plus comment, mais sans doute pas mal. Et je me trouve de nouveau à la recherche d'un sujet. Je reviens à ce roman qui s'appelait je ne sais pas comment. Et je m'y remets, ça. Avec difficulté. Et puis tout d'un coup, quelque chose se passe d'assez mystérieux, qui ne s'est passé qu'une fois dans ma vie, que certains auteurs ont connu, que d'autres pas. Tout d'un coup, une véritable explosion se passe. Je rentre en transe ou quelque chose comme ça. Et c'est fini. Tout d'un coup, ma guérisseuse, qui était un personnage secondaire que je traitais à la troisième personne, apparaît au premier plan et se met à parler. Et je me mets à écrire à toute vitesse, je n'ai jamais écrit aussi vite. Dernière question sur les personnages. Quels sont les personnages que vous avez préféré créer? Alors d'abord, n'est-ce pas, je ne suis pas Flaubert, il y en a qui s'en étaient déjà aperçus, mais je ne suis pas un fou de Flaubert. Le fou de Flaubert se reconnaît à ce qu'il aime, à ce qu'il préfère, l'éducation sentimentale à Emma Bovary. Ben non, je préfère Emma Bovary, Madame Bovary, à l'éducation sentimentale. Donc je ne suis pas un vrai flaubertiste. Néanmoins, cette parole de Flaubert, Emma Bovary, c'est moi, me comble absolument. Il aurait écrit que ça, il n'aurait pas écrit le roman, ça serait déjà génial. Alors, quels sont les personnages qui sont le plus... Moi, ce sont les filles, bien sûr. Je pense que c'est Claudine, Angéline et Alexandrine. Voilà, ce sont donc les personnages qui sont le plus moi, donc ceux que j'ai créés. Et puis, ceux qui sont tellement moi que je ne les ai pas créés. Vincent Leroux, c'est tellement moi qui m'agace. Il m'agace parce que je n'arrive pas à lui enlever mes défauts. Je n'ai pas réussi vraiment à lui ôter mes défauts. Et ça rejoint une question peut-être portant sur la science-fiction. Quand je crée un personnage masculin, je n'arrive pas à le délivrer de mes défauts. Et donc certains personnages de la science-fiction, ils ont vos défauts. Ce sont des abominables jurys. Et les femmes, elles ont tout ce que je voudrais être, tout ce que je suis peut-être potentiellement, mais qui ne s'est pas développé. Ah, il me semble que ma préférée, c'est Angéline. Alors, il y a la guérisseuse de la grâce elle-même, mais je n'ai pas le sentiment de l'avoir créée, j'ai le sentiment qu'elle existe et qu'elle est arrivée. Alors, je ne sais pas. Non, mais je l'ai quand même créé. Oui, alors le personnage que j'ai le mieux aimé créer, c'est May de May le Monde, je crois. Oui. Peut-être. Votre dernier roman de science-fiction, oui. Publié en 2010. Le dernier publié. Voilà. Non, pas le dernier publié, dernier roman de science-fiction publié. Parce que j'ai écrit d'autres choses en science-fiction depuis, mais malheureusement, dans un état physique et mental diminué, bon. Parce que ça vaut. N'importe, c'est pas le sujet. Nous attendrons. Oui. Mais cela dit,
J'adore créer tous mes personnages. Mais créer, entre guillemets, parce que c'est pas, il n'y a pas de création. Pas vraiment de création. Ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas commencer un roman tant que mes principaux personnages ne sont pas nommés. J'ai besoin de noms. Et j'ai été bloqué sur Alexandrine pendant un certain temps, parce que ce nom d'Alexandrine, je ne sais pas pourquoi, m'était tombé dessus et je voulais que ça soit Alexandrine. Ce n'est pas un prénom courant en Cévennes. Et il a fallu que je cherche dans les monogues, s'il y avait au 19e siècle quelques Alexandrines en Cévennes. Alors, un garçon de la famille, un cousin de Nicole, Bourrelli, de splendides monographies sur les familles cévenoles. Il en a fait une qui est absolument gigantesque, où il recoupe toutes sortes de familles cévenoles, y compris la plus célèbre famille cévenole contemporaine, la famille Chanson, et Chanson Hébrard, qui recoupe elle aussi la science-fiction, puisqu'un personnage de cette famille est aussi un célèbre personnage de science-fiction. Qui est Pierre Versin. Pierre Versin. Voilà, notre chanson. Et donc, Philippe Bourrelli a fait cette monographie sur la famille 4 pages de Bréau. Il avait fait des recoupements extraordinaires, si bien qu'il y a 50 romans dans cette monographie. Et quand je l'ai reçu, quand il me l'a envoyé, parce qu'on sympathisait, il avait fait aussi une biographie sur la famille de Nicole. Et alors j'ai fait une chose abominable qu'on fait généralement. Quand par exemple quelqu'un, il y a des gens qui écrivent des bouquins sur la science-fiction, sur les auteurs de science-fiction. Et quand on a leur bouquin, ce que je faisais autrefois, je ne fais plus maintenant, c'est trop mesquin. Précipite, ils cherchent leur nom. Et bien moi, je me suis précipité sur la monographie de Bourrelli. J'ai cherché Alexandrine, 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 Alexandrine. J'ai passé une journée. Et j'ai trouvé deux Alexandrines qui tombaient bien au bon moment. Le lendemain, Alexandrine était partie, la vallée de la soie était commencée. Mais moi, je voulais vous demander quel est le point de départ de l'écriture d'un roman de science-fiction pour vous. Parce que je sais que ce n'est pas toujours de la science-fiction au départ. Comme vous l'avez dit dans la nouvelle, ça va glisser vers la science-fiction. Donc, je voudrais savoir comment vous choisissez les sujets de science-fiction et comment vous démarrez un roman de science-fiction. Mais c'est chaque fois. Un roman, c'est une aventure, c'est une vie, pour ainsi dire. Et c'est chaque fois différent. Par exemple, Le temps incertain, c'est tellement compliqué qu'il faudrait un livre entier pour le raconter. Je crois qu'effectivement, on pourrait écrire un livre sur l'écriture du temps incertain qui serait plus gros que Le temps incertain. Non, je crois que surtout que... S'il y a une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et chaque fois, ça se fait différemment. Alors, l'exception, ça serait peut-être les plumes noires. J'en écrivais beaucoup pour gagner ma vie là, dans les années 60. À la extrême fin des années 70 et début des années 80. Et là, je piquais un peu au hasard un sujet. Je vais faire un roman sur telle chose. Finalement, d'ailleurs, je faisais un roman sur autre chose. Mais le plus souvent, c'est un point commun avec ce qu'on appelle la littérature générale, enfin avec le roman historique et paysan et de terroir, ça marche bien quand le sujet me choisit. Alors, je pourrais resuivre tous mes romans, mes principaux romans de science-fiction, pour dire celui-ci est parti de telle façon, autant que je me souvienne. Bon, Le temps incertain était parti comme un nouveau roman. Les influences à l'époque, c'était Rob Grillet et Michel Butor. Et puis, Gérard Klein a eu l'idée assez géniale de lancer la collection Ailleurs et Demain, qui se porte bien encore. Merci pour elle, merci pour lui, merci pour moi. Ça durera ce que ça durera. Et
Je lisais peu de science-fiction à l'époque, et j'ai découvert à sa naissance cette collection. Et le premier roman de cette collection, Le Vagabond, reste mon préféré de toute la science-fiction. Mais il ne collait pas du tout avec ce que je faisais. Et tout de même, comme on ne disait pas encore, ce jargon-là n'était pas encore inventé, ça m'a interpellé. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certains rapports entre la science-fiction et le nouveau roman français. Et je continuais assez péniblement à avancer dans la direction du nouveau roman. Et puis, mais avant Gérard Klein, il y avait Michel Demuth qui avait publié dans Galaxy Bis un roman de Dick qui sans doute son meilleur, et qui, bien que le titre français soit mauvais, Le Dieu venu du Centaure. Et là, je m'étais rendu compte qu'il y avait un pont qui s'établissait. Et puis, Gérard Klein a publié dans Hier et Demain, un roman de lui que beaucoup considèrent comme le meilleur, Ubik. C'est pas vraiment mon idée. Mais enfin, c'était celui C'est un des plus connus, en tout cas, de Philippe Cadic. Oui. Enfin, qui s'imbriquait, qui s'intriquait le mieux avec ce que je faisais. Et là, l'idée m'est venue de pousser donc mon nouveau roman vers la science-fiction. Notez bien qu'il n'avait pas de titre à l'époque. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le titre. Pourtant, ça paraît simple. Ben non. Et donc, le temps incertain a évolué vers ce qu'il est. Il est devenu ce qu'il est. Et donc, c'est une évolution extrêmement compliquée. Et il y a eu après Les Singes du Temps, qui lui est né à partir, ou un petit peu à la façon. C'était aussi quand même. Il y a aussi une parenté avec le nouveau roman. Ça se rapprocherait presque de la méthode Claude Simon. J'avais écrit beaucoup de textes à prétention poétique, des textes, des bouts de textes, hein, des morceaux de textes, il y en avait sans doute plusieurs dizaines, qui n'avaient pas de lien vraiment entre eux, sinon de créer une atmosphère poétique autour de personnages, de situations, de rêveries. Le point de départ des Singes du Temps, ça a été une tentative de réunir dans un même récit ces textes qui n'avaient aucun lien entre eux, sinon l'atmosphère. Et puis on pourrait continuer ainsi, chaque roman a son histoire. Nous allons passer alors à des questions un petit peu différentes. Je veux dire, là, c'est une question qui va nous peut-être nous rapporter beaucoup plus à la littérature de terroir. Je voulais avoir votre avis surtout et votre sentiment sur quel est votre rapport à l'histoire, avec un grand H. Oui, alors. Et une région aussi donnée. Oui, alors Gérard Klein a imaginé, je crois que c'est dans la préface du Livre d'Or, que j'avais une relation particulière à l'histoire. C'était quand même me faire un gros crédit. Alors l'histoire, je dois dire que l'histoire, moi, je l'ai apprise entre Michel Sébaco et Paul Féval, en passant par Alexandre Dumas. Voilà. Et Toujours par la littérature. oui. Et à mon préféré, ce n'était pas Alexandre Dumas, c'était plutôt Michel Sébaco. J'adorais Michel Sébaco qui paraissait dans les bouquins d'Hortense Taillard. Alors là, c'est une histoire un peu échevelée. Alors n'est-ce pas, Mais ça, vous il m'aviez m'a parlé fallu de après. Pardaillan, hein, c'est Oui, ça, c'est du cycle ça. des Pardaillans. Il m'a fallu après rectifier. Quand j'ai vraiment été obligé d'apprendre l'histoire
au collège, au lycée. Je suis pas allé au, il y avait lycée, collège, c'était pas la même chose à l'époque, je suis jamais allé au lycée. J'ai passé le bac dans un collège libre, privé. Et bon, c'était quand même pas tout à fait ça, mais c'était plutôt mieux. Et puis, Paul Cheval, alors là, D'Artagnan, alors, moi, l'histoire, c'est D'Artagnan contre Cyrano. Et ça va beaucoup plus loin que le croyait l'auteur, parce qu'au fond, il y a dans toute l'histoire de France et même du monde, beaucoup d'épisodes, beaucoup de guerres, de paix, d'aventures, de création d'états, de mondes, etc., où on retrouve la symbolique de D'Artagnan contre Cyrano. Et voilà, j'ai un rapport à l'histoire. C'est ce rapport-là, c'est ce rapport à l'histoire qui me projette dans la science-fiction. Bon, cela dit, quand j'écris des romans provinciaux historiques, là, j'abandonne et D'Artagnan et Cyrano, et je tâche d'être extrêmement précis, rigoureux, fidèle à la réalité terre à terre. Alors, autre question. Quelle est. Alors, moi je. Bon, c'est une question un peu générale, mais est-ce que vous avez une vision particulière du monde? C'est-à-dire, quel est votre Une rapport? belle tranchante. Voilà, quel est votre rapport à la nature et à la technologie? Parce que toujours, hein, les deux versants de Michel Jury, il y a un terroir évidemment et science-fiction, et je crois que les deux se mélangent quand même parfois un peu. Donc voilà, par rapport, quel est justement votre rapport à la nature, à la technologie, les Oui. deux? Je crois que c'est important. J'ai combien de journées pour répondre? Nous n'avons pas de journée, mais vous pouvez essayer. Alors, c'est extraordinairement compliqué. Laissez-moi dormir 1 heure et puis je vous répondrai non. Je vais quand même essayer de tracer quelques pistes. Commençons par la fin. Comme l'a noté le critique de Télérama à propos de non, le critique du Canard enchaîné. Jean-Luc Porcher, à propos de Mais le monde, je suis discrètement élulien. Pourquoi discrètement? C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais lui, qui est un Bordelais, c'est votre compatriote. Pour moi, c'est un des très grands penseurs du XXe siècle. Et d'ailleurs, Jean-Luc Porcher a écrit, justement, lui, a écrit un bouquin, Jacques Ellul, L'homme qui avait presque tout prévu, c'est vrai. Avec la Et pensée technicienne. avec, oui, notamment la technique en jeu du siècle dans les années 50-60, non 60, et à la fin des années 70, ce livre extrêmement important qui est Le système technicien. Donc, moi, fondamentalement, avec tous les bémols que vous voudrez, je suis prêt à toutes les concessions, mais je crois quand même fermement que le système technicien emmène l'humanité, la civilisation humaine, à sa perte. Bon. Cela dit, je suis, et ça m'enrage encore plus, comme tout le monde, complètement dépendant de la technique. Alors, mon rapport avec la nature, je suis un enfant de la nature, je suis un petit paysan, et la nature, j'ai vécu avec elle depuis toujours. Et j'ai su, même si j'ai oublié, reconnaître les oiseaux, les chants d'oiseaux, bien que je n'ai pas d'oreilles, les arbres, j'étais incapable de grimper à la corde, par contre, je grimpais au sommet des arbres avec une facilité extraordinaire. La corde, c'était suspect pour moi. Des arbres, non, pas de problème. Même si je marchais de travers, si je me cognais les chevilles, dès que j'étais dans les arbres, je ne me cognais plus, ça marchait. Ou ça volait, ou je ne sais quoi. La nature, c'était mon univers et je l'aime toujours. Il y a un poème, il y a un psaume protestant.
avec un vers absolument magnifique, que je cite dans la vallée de la soie, qui dit « Ô Seigneur, ton temple est l'univers. » Et je vois l'univers. L'univers, c'est la nature dans toute son immensité. Et ce que nous en avons sous les yeux, c'est effectivement un temple, c'est, si l'on est croyant, c'est le temple de Dieu, bien sûr, beaucoup plus que les églises, les mosquées, les temples de ceci ou de cela. Alors mon rapport à la nature est extrêmement compliqué et extrêmement conflictuel en moi-même. Et j'arrive difficilement à déterminer la place de l'homme là-dedans. Et j'en suis venu à penser que l'homme étant en train de se suicider par la technique, il ne sera pas le dernier fleuron de l'évolution. Alors, je ne crois pas que ce sera les fourmis qui nous succéderont. Je miserai plutôt sur les géants de la mer. Plus encore peut-être les orques que les dauphins, ou peut-être aussi les dauphins, ou peut-être tous les géants de la mer. Je crois que l'avenir de la nature, l'avenir de la terre, de la nature se joue dans la mer. Et comme elle a commencé du reste. Oui, et c'est pour ça qu'il faut sauver la mer. Alors le problème, c'est si pour sauver la mer, il faut tuer l'homme, je m'en charge pas. D'abord, c'est fini. Moi, vous qui allez rester, vous vous occuperez de tout ça. Merci Michel Jury d'avoir répondu à ces questions qui étaient censées nous apporter, enfin vos réponses surtout évidemment, étaient censées nous apporter un éclairage sur les deux parties de votre œuvre, l'œuvre donc de science-fiction et l'œuvre de terroir, parce que très souvent on parle beaucoup de l'œuvre de science-fiction, mais moi je crois que votre identité réelle d'écrivain, c'est quand même ces deux inspirations, ces deux perspectives dans votre œuvre. Alors nous allons clore l'entretien, selon votre souhait, par la lecture d'une poésie qui va permettre de clore justement notre travail. Donc merci encore de nous avoir livré merci vos pensées. Merci à vous. Comme toujours, vous parlez d'or. Et je veux quand même dire un mot de la poésie que j'ai choisi de lire, puisque vous m'avez permis de le faire. Les amateurs de science-fiction savent peu qu'un des acteurs importants de la science-fiction des années 70, auteur, chroniqueur, immense chroniqueur et extraordinaire traducteur, Georges Barlow, qui est resté mon ami. Et pourquoi ne serait-il pas resté d'ailleurs ? Ami d'Andrevon aussi. Est un merveilleux poète classique, et je vais donc, puisque vous le permettez, lire un de ses poèmes sur le temps, et qui va en quelque sorte lier tout ce que nous avons dit. Merci Michel Jury. Merci. Je vais essayer de lire un poème sur le temps de Georges Barlow, tiré du recueil « Georges et la poésie », édition Parole du temps. Chanson triste du temps. La rose meurt qui s'en étonne. L'amour s'en vient chaque printemps. L'amour s'en va au vent d'automne. Autant en emporte le temps. Il pleut des fleurs, le clairon sonne. Jeannot soldat s'en va chantant. Il pleut la mort, le canon tonne. La vie s'en va tambour battant. Cette chanson que tu fredonnes, c'était celle qu'il aimait tant. Elle ne plaît plus à personne, tu es la seule qui l'entend. Tu étais blonde et tu grisonnes, quand tu te mires dans les temps, est-ce au vent que l'onde frissonne,
Est-ce toi qui n'as plus 20 ans? Et tu n'as plus, quand l'heure sonne, ni pleurs ni rires en l'écoutant, plus rien au monde ni personne ne te rendra l'odeur du temps. Merci.